Savoir. Hey. Ok. On veut des photos. Exceptionnellement, ce soir et demain soir. J'ai vite fait changer mon eau. J'espère que tout le monde va bien et que la semaine se passe bien pour vous. Nous, on va continuer les petits loyalistes. Bah oui, parce qu'ils sont toujours là, dis donc. Ces petits coquins. Ils veulent pas, ils s'incrustent. Ils restent. Ils se disent non, je vais rester jusqu'au bout. Non, mais sans déconner, tout ça pour dire que ouais, c'est un live exceptionnel ce soir et demain soir à partir de 21h jusqu'à où j'ai marqué, j'ai fait la petite flèche pour 23h, mais bon, on verra. Enfin bref, si mon corps tient jusque là. Bah bref, et puis bah voilà, tout ça pour dire ça et je voulais dire un autre truc, je sais plus.
Oui, j'en profite pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent, comme on dit. Mon copain travaille de nuit, et ben du coup, voilà. Je me dis, bon, bah autant en profiter pour peindre et puis le faire en live en même temps, quoi. Alors, Chun, j'ai dit coucou tout à l'heure, et on a demandé des photos aussi, Chun. Melgar, coucou. Là, tu es dans mes horaires où je peux un peu regarder. Cool! Excellent! Bah écoute, je pense que je peux faire ça genre une fois dans le mois, parce que si je me rappelle bien, c'est une fois par mois où il a une. Attends, faut que je parle un peu moins fort. Où il travaille de nuit. Tu sais, il a mercredi, enfin, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi et vendredi, samedi où il travaille de nuit. Donc du coup, voilà. On peut faire ça. Théodéric, coucou. J'espère que tu vas bien. Tirfelin, coucou. Woufret. Woufet. Pourquoi j'ai rajouté un R? Woufret. Ça fait bizarre. Woufet. Woufet, quoi. Pourquoi je veux rajouter des R? C'est chelou. Bref, coucou. J'espère que tu fais payer double pour du loyalisme, l'outil de sous-titres en place. Chion. Par chaîne. Ben, si tu veux, je t'appelle Chion ou Chion. Bah Chion, bah je sais pas comment tu veux que je t'appelle, moi, je sais plus. Après, quand c'est écrit, j'ai toujours du mal à savoir où situent les prononciations des noms, donc faut pas le prendre mal. C'est même dans la vraie vie, hein, pas que dans les surnoms, etc. Hein. Je suis un petit peu handicapée sociale. Ah bref. Passons. Tout ça pour dire qu'on va faire du loyaliste. Et oui, l'idée de faire payer plus cher. C'est une bonne idée. J'en ai un peu rien à foutre de comment on m'appelle. Au contraire, ça m'amuse. Ok. Bon bah écoute. Je sais pas, Chion. Chionne. Je sais pas, ça me perturbe. J'ai envie de mettre les deux N. Mais le G, je le zappe complètement parce que ça fait bizarre. G Chion. Ou G. G Chionne. G Chion. Ouais, c'est toi. Chion. Quelle honte. Tu parles qui parle des loyalistes, quelle heure. Oui, je sais, oh, je suis désolée. Mais après, je fais des prières à Nurgle, hein, vraiment, je vous assure. Tous les jours, je fais des petits bisous à Typhus, enfin voilà quoi. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien. Hein. Il faut bien, hein, ma pauvre Lucette. Attends, je me mets là, mais. Et si on mettait un petit peu plus. Sérieusement, ça se prononce comme le verbe scier dans nous scions du bois. Du sion? Sion? Bah écoute, par ça si tu veux. Comment va? Bah écoute, ça va, même si je suis un peu trop mal de peindre du loyaliste. Mais sinon, écoute, ça se fait. Non, non, si ça va. Et encore plus. Mieux bien aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que j'ai une super bonne nouvelle. Bon, c'est un petit truc, hein, c'est pas non plus ce truc de ouf, hein. Mais je voudrais pas dire, mais dans la vie de tous les jours, ça fait du bien. Nous avons reçu notre nouvelle machine à laver le linge, et je peux vous dire que ça tourne. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas de machine à laver. Et c'est un peu chiant. On avait limite 3 semaines de fringues, quoi. Hein. Ah, il fallait pas plus. je ne suis pas le seul que ça questionne, ça me rassure. Mais après, c'est vrai que on peut considérer que Kingdom Death, c'est un peu chaos, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a The Others aussi. C'est un peu chaos, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est pas très loyal, quoi. Si, j'ai des gobelins aussi. C'est pas chaos. Je crois que c'est pas chaos. C'est un autre truc. C'est pas.
Destruction, c'est pas destruction. Ah, bref, je sais plus. En tout cas, c'est pas loyaliste, quoi. Donc, il y a un bug spatio-temporel. Coucou! Pourquoi un bug spatio-temporel? Pourquoi? Ah oui, non, c'est parce que le soir, oui. Bah, c'est parce que j'en profite. Mon copain est pas là ce soir, vu qu'il travaille. Du coup, ça m'a permis. En fait, si tu veux, c'est un concours de circonstances. Si tu veux, comme aujourd'hui, je devais recevoir la machine à laver. Et je savais pas quand. Je savais pas si c'était le matin, le soir, l'après-midi. Je savais pas du tout quand. Alors je me suis dit, bon, je vais supprimer le live de l'après-midi et de jeudi. Je le repousse à vendredi, tu sais. Genre, j'annule jeudi. Et puis je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas le soir, vu que mon copain est de nuit? Je me suis dit, bon, bah, comme ça, ça fait un live exceptionnel. Pour aujourd'hui et demain, quoi. Et puis voilà. Je me suis dit ça, quoi. Moi, je raconte ma life, mais j'abandonne complètement 40K. Je suis vraiment plongée dans AOS. Ok, donc t'abandonnes, genre tu vas revendre tes figurines ou pas du tout. Enfin, je sais pas. Easy mode. Coucou, Mordrel, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? C'est un bon mercredi, un bon début de semaine, tout ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, les gens? Moi, je trouve que ça va, parce que j'ai reçu ma machine à laver. Oui, je pense que je vais un peu vous faire chier. Putain, elle est hyper high-tech. J'étais là en train de lire le manuel, je fais... Putain, je comprends rien. Non, je tourne les pages, mais je comprends rien. Putain, faut faire les notes, tu sais. Je comprends rien. Oui, bon, ça va, j'ai compris. En fait, si tu veux, tu peux tout... Tu peux tout adapter dans la machine à laver, tu fais, moi je fous dedans, j'appuie sur le bouton marche, ça lave, et puis voilà quoi, non, on peut pas faire ça, parce que c'est plus simple, hein. Et ben en fait non, du coup apparemment faut retourner les pantalons, fermer le bouton, tu fous dedans, mais il faut que ce soit... genre si tu mets des pantalons, faut que ce soit pareil avec les t-shirts, etc. Enfin, c'est toute une galère. Enfin, galère, non, mais enfin, c'est un apprentissage, quoi. Du coup, à chaque fois, j'ai dit à mon copain, bon, t'attends pas à faire des lessives toutes les 5 minutes, parce qu'il faut que je comprenne déjà comment ça marche. Du coup, faudra pas être trop violent sur la régularité, quoi. Et passer toutes et tous à Marvel. Ouais. Attends, mais tu déconnes, Théodric, mais comment. J'ai fait mon evil mode à mon copain. Tu sais, il vient de pied. Tu vois, en fait, si tu veux, je vois. Juste pour expliquer un petit peu aux arrivants, je trouve que les figurines, elles sont ouf de Marvel Crisis. Et depuis un certain temps, je suis en train de baver sur Insta avec, je crois que c'est Sergio Calvo qui en fait, ou je sais plus qui. Enfin bref, je suis là, oh je bave, elles sont trop belles, etc. Et je regarde un petit peu comment ça se joue et tout. Enfin vite fait, hein, parce que je suis plutôt du genre à me faire baver, mais pas trop, tu vois. Hein, c'est point trop non faux, parce que j'ai pas envie d'être trop mal non plus. Et du coup, je regarde les peintures et tout, je suis là, oh c'est trop bien. Et puis un jour, t'as mon copain qui me fait « Oui, alors j'ai regardé les Marvel Crisis et ça a l'air sympa. Hein. » Je le regarde, je fais « Oui, tout à fait. Bien sûr que ça a l'air sympa. Pourquoi tu veux l'acheter ?» Tu sais, genre fébrile. Et du coup, il me fait « Oui, oh, je sais pas, peut-être un jour, tu sais. » Je fais « Et puis plus tard, il me parle de Kill Team, tu vois. Carré, qui est assez dynamique et tout. On a regardé un peu le rapport de Iggy. Et du coup, tu fais, mais ça a l'air sympa aussi, tu vois. Et puis tu te dis, bon, c'est quand même un budget. Parce que c'est 90, je crois, un truc comme ça, Crisis, la Core Box. Et Kill Team, c'est 150. Du coup, moi, je suis la personne qui a le moins de thunes dans notre famille et par rapport à lui. Et du coup, tu sais, je le regarde, enfin, je réfléchis, je me dis un truc, je réfléchis,
Parce que j'ai PayPal. Et PayPal, tu peux payer en 4 fois. Alors du coup, je lui dis, mais tu sais, comme on aime bien les deux, Kill Team et puis Crisis Protocol, et tu disais, bon, bah voilà, il faut en choisir un. Alors, on ne peut pas forcément avoir les deux. Du coup, je le regarde, je fais, mais tu sais, moi, les Crisis Protocol, je peux payer par PayPal en 4 fois. Et puis comme ça, on a les deux. Hein? Et puis, il me regarde. Tu es vil. Du coup, il s'est barré. Je fais, oui, peut-être. Et du coup, voilà, je suis en train de corrompre un petit peu son esprit petit à petit, comme ça. Creed, coucou. Ah, excellent. Bah, je regarderai, tu le fais en live ou pas, Creed? Je sais, je fais du lobby, je vous jure, je suis pas sponsor. Ça sent le forçage de l'écran d'Ivaï qui reste comme de par hasard sur une core box. C'est pas mal l'écran d'Ivaï. Ah putain, je vais prendre ton idée. Comme les magazines de mariage ou de bijoux qui traînent sur les tables. Ouais, c'est ça. Non, mais tu fais la core box. Tu fais. Ah, mais j'ai regardé. Et bien, en plus, je lui ai montré parce que, en fait, sur un site, enfin, sur Internet, tu mets sur Google, tu mets shopping et puis t'as une boîte à 80, un truc comme ça, 84, je crois, légèrement moins cher que Philibert. Même si Philibert, ça reste quand même pas. Enfin, ça reste moins cher. Et même sur ton site aussi, Creed, avec ton partenariat, je crois, je sais pas, je crois qu'ils ont la core box aussi. Enfin, j'ai pas trop regardé, c'est lui qui a un peu regardé. Et ouais, c'est. Je vais à Besançon semaine pro et je vais tester à l'entrepôt de qui commence, d'accord. Oui, bah voilà, qui commence. Je sais pas s'ils ont. Je me rappelle plus. Bah, je peux pas faire du forcing, mais sur le partenariat de Creed, ça baisse encore plus. Oui, c'est vrai. Et ouais, c'est. Puis en plus, comme tu dis, Creed, c'est comment s'appelle le Hulkbuster, quoi. Tu la vois, tu fais. T'as trop envie de lâcher. C'est shut up, give me. Take my money, quoi. C'est. C'est vas-y, prenez tout ce qu'on a. Il va dans l'antre du démon, crie de moi. Ah, ils l'ont. Oh là là. Ouh là là, je sens qu'ils vont arriver. Enfin, ils vont avoir un achat de Little Man ou alors de Fathergrid. Dans les jours, semaines, voilà. Un truc comme ça. Elle n'est pas encore. Bah oui, je sais bien qu'elle n'est pas encore sortie. Hein. Mais enfin voilà quoi. C'est. Et puis je trouve que les extensions, tu sais, 25 euros ou 40, c'était dans les 40 euros, je crois, les extensions 40 ou 25, la figurine toute seule. Ça va, tu vois. C'est pas complètement déconnant. Et puis, t'as pas besoin de 36 000 trucs. Surtout que nous, on va pas tout acheter parce qu'il y a des héros qu'on connaît pas et qu'on en a rien à foutre. Et puis d'autres qu'on prendra parce qu'on les trouve classe ou jolies ou enfin voilà. Et puis parce qu'elles nous bottent bien, quoi. Ça va pas aller plus loin, quoi. On va pas. Voilà. Et puis, on va faire des... Est-ce qu'on a envie d'un jeu comme ça, un peu? Mon perso Marvel préféré? Bah moi j'ai pas trop grandi avec Marvel, c'était plus avec l'autre là, truc avec Superman et puis Batman. Donc mais Marvel, bah Iron Man, j'adore son côté, bah, tu vois, alcoolique et puis qui dépasse, tu sais, ses démons et tout, enfin qui vit avec ses démons, qui doit, enfin vraiment se battre contre eux et tout, mais c'est intérieur, tu vois. Et j'aime bien ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a Electra pour ma femme. Oh, c'est vrai qu'Electra, elle est cool aussi.
Je pense que je vais prendre le nouveau Descente par contre. Ah, c'est vrai que Descente aussi, on a beaucoup joué avec mes copains et c'est vrai que c'est vraiment sympa ce Descente. Vraiment. Mais genre, vraiment, vraiment. Et par contre, je sais pas si t'as regard... si t'as vu Emericus, si le Seigneur du Mal, il est comme la V1 ou pas. Ou la V2. Attends, je sais plus, c'est la V3 qui sort. Ou c'est la V2, je sais plus. Non, je crois que c'est la V2 qui est sortie. Et c'est la V3 qui va sortir. Ça. Enfin bref. Tout ça pour dire que je trouvais que c'était un peu. Un peu une enculerie, le Seigneur du Mal. Il y a des moments où je trouve que c'était pas assez équilibré. Enfin, pour ma part. Non pas Electra, mais Daredevil. Bah, Daredevil, c'est cool aussi. Même si y a, ils ont fait certaines séries un petit peu too much, où tu te dis, bon, c'est limite dans le ringard. Mais il reste bien cool. Qu'est-ce que j'aime bien dans les Marvel? Bah, j'aime bien Iron Man. J'aime bien bah, Captain Marvel. Moi, j'aime bien Captain Marvel. J'aime bien qui? Black Widow. J'aime bien Black Widow. J'aime bien qui d'autre? J'aime bien ceux, pas forcément qui ont des pouvoirs de ouf, tu vois. Mais là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Bon, lui, il a des pouvoirs de ouf, mais c'est comment il s'appelle Miles Morales, fait en Spider-Man là. Et c'est. Ah oui, bah, Groot et Rocket, c'est clair que. Oui, j'avoue. Tu vas te dire, ouais, mais j'ai acheté ça, et ça irait bien avec ça, et c'est. La spirale infernale. Non, ça, on a eu cette spirale avec. Comment ça s'appelle avec Confrontation. Confrontation, on a eu cette spirale-là. Surtout avec le site. Attends, tu sais, vert. Qui est fermé maintenant. Et ils avaient quasiment plein de trucs. Ah. Vie. Non. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Et il a fait des trucs un peu chelous, le mec qui tenait ça. Enfin bref, peu importe. Tout ça pour dire qu'on s'était un petit peu lâché parce que moi j'avais le truc rubis où j'avais des pourcentages, de gros pourcentages. Et puis bah du coup, on s'était un petit peu lâché sur les confrontations. Du coup, on en a plein. Mais on verra. Après, je t'avouerai, on n'est pas forcément dans cette spirale-là. Quand on achète des trucs, on réfléchit toujours un petit peu. On est. Genre, si on veut avoir. Si ça. Tu vois, par exemple, j'adore The Others. Et j'ai pas l'équipe. Alors, c'est qui, laquelle? J'ai pas l'équipe. Il y en a deux que j'ai pas. Il y en avait une en Kickstarter, je crois que c'est l'équipe bêta. Non, Omega. Je crois que c'était l'Omega et la bêta que j'ai pas, je crois. Il y a un truc comme ça. Et du coup, on sait qu'on l'aura jamais, quoi. Enfin, on va. Sinon, il y en a, ils la vendent, mais à des prix complètement débiles. Donc, du coup, non. Tu vois, et puis. Puis même à 40K, tu vois, à OS et tout, c'est pareil, il y a des figurines que j'aimerais bien avoir, mais j'essaye de pas trop. De pas trop acheter non plus là-dessus. Par exemple, les Nurgle, j'ai pas certaines figurines que je trouve trop belles. Genre Mortarion, je l'ai pas. Et je suis en train de baver dessus, tu sais, devant, etc. Mais ça veut pas dire que. Qu'un jour je l'aurai pas, mais je vais pas l'acheter tout de suite quoi. Ouais, Miles Morales, elle est chouette. Hein. Elle est dans la boîte de. Avec. D'accord, ok, je vais lui acheter ça. Il y a aussi la Bête et Mystique ensemble, Sabertooth, Wolverine ensemble et Cassandra Nova, Jean Grey. Ah, Jean Grey aussi, je l'aime bien. Magneto, Toad,
Vif, argent, Scarlet, Witch, d'accord. Et ça te fait tous les X-Men, c'est vrai. Et une petite Moratti. Je dis pas ça car je l'aime bien. si, Moratti, c'est cool aussi. C'est cool, Moratti. Elle est jolie, hein. Mais ouais, je fais pas les Daughter of Kain, alors du coup, ça va pas trop me servir. Ou alors je l'achète, je la peins hyper chiadée et je la revends sur eBay hors de prix. Non, je suis pas comme ça. Si j'achète des figurines, vraiment, si je peux le faire, je ferai un giveaway ou un truc comme ça. Hein. Enfin, mais, faire chier. D'ailleurs, en parlant de giveaway, j'ai toujours pas acheté le cube en bois pour le Hellboy là. Il est où? Et celui-là, là. Je vais faire en giveaway, mais j'ai pas fini. J'ai envie de bidouiller encore un peu. Ça, je pense. Puis, tu sais, mettre une tige, puis un petit cube en bois, quoi. Ouais, ça peut être sympa. Je suis pas content. Petit Hellboy. Revendez votre confrontation pour vous faire plaisir, sérieux. Ouais, mais comment t'expliquer? C'est sentimental, quoi. Moi, c'était ma première armée, hein, confrontation. Hein. Moi, j'ai découvert la figurine comme ça, quoi. Enfin, précisément, j'étais avec un mec qui m'avait présenté ses figurines 40K. Alors, je crois que c'était des taux, si je me souviens bien. Et c'était des petits aéronefs ou je sais pas quoi. Enfin, c'était très petit. Enfin, bref. Et après, je suis allée dans mon école d'art et puis j'ai rencontré mon copain qui m'a montré le jeu de rôle, les 40K, AOS, tout ça. Enfin, Warhammer à l'époque. Et puis c'est, je suis un peu tombée comme ça hein, là-dedans. Hein. C'était vraiment que mon copain y jouait et je trouvais ça cool. Mais j'étais une geek qui sommeillait en fait. Enfin, surtout pour MCP, il existe un marteau de Thor démontable pour mettre tous tes accessoires de jeu dedans. Et là, quand tu te pointes chez un pote avec ton marteau de Thor, ça n'a pas de prix. J'avoue que le marteau, je suis assez motivée quand même. Parce que t'imagines, t'arrives avec ton marteau, tu le poses et tu fais la classe. Hein. Pas grave. Non, mais tu peux même le fabriquer. Hein. Il y en a un qui a fabriqué un marteau de Thor, j'ai vu. Où en fait, dedans, tu l'ouvres et c'est une boîte à outils. Et en fait, le manche du marteau de Thor, c'est le manche d'un marteau, d'un vrai marteau, quoi. Et je trouve ça, mais. Terrible quoi, c'est trop cool. C'est tellement trop cool. D'avoir eu cette idée-là, c'est excellent quoi. Donc ouais, je me dis, ça peut être cool aussi de faire une boîte pareille quoi. Tu fais une boîte marteau de Thor, ça peut être fun. Donc, voilà. Donc ouais. On est bien, vraiment, vraiment, on est très fébrile pour le Marvel Crisis Protocol. Sur ce coup-là, voilà quoi. Bon, je pense qu'on va y aller, hein. On va faire ça. Surtout en plus, il m'a dit mon copain que le, voilà, pour Kill Team. La réglette, ça se fait quoi? Franchement, la réglette et les jetons 25 euros, c'est si t'avais pas le cul ouvert, ben là il l'est quoi. Et du coup, comme j'ai des, toi, alors je sais pas si je les ai là, si je peux vous montrer. Tu sais, j'ai les plaques blanches là, en rigide. Comment ça s'appelle? Je sais même plus. Parce que c'est en vrai. Bon, je sais plus, je regarderai plus tard, mais j'ai des, tu sais, des plaques blanches très rigides de plusieurs épaisseurs. Ça se voit à Green Stuff World là. Et voilà les plasticards là.
Et du coup, tu peux faire ta propre réglette, quoi. Oui, voilà. Et merci, Sion. D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant que tu me disais Sion, il y a un jeu de rôle Sion où tu joues, tu sais, comme des dieux égyptiens, romains et tout, grecs. C'est cool. J'ai mis une photo du marteau sur la partie galerie Discord pour que vous fassiez une idée. Ah, cool, je veux bien. Ouais. Ouais, je lance Discord, du coup. Et ouais, on va se le faire. Et puis les pions, on a plein de pions. Parce que tu sais, quand tu dépunches, des fois, il y a des pions que tu fais rien. Et bah voilà. Attends. Ah. Je te jure. Hop. Ah, cool! Excellent. Ah, c'est vraiment sympa. Alors attends, je te mets là. Et Discord. Ok. C'est cool. Attends. Est-ce qu'on peut avoir une image plus un peu plus un poil plus. Oula, c'est tout petit. On va faire comme ça. Et tac. Ah, mais bah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Bah quoi? Pourquoi il veut pas prendre celui-là en compte? Une feuille. Bon, bah vous aurez le petit, quoi. Écoutez, tant pis. Hé, hey, Vetilol, comment tu vas? Coucou, bonsoir. Bonsoir à toi. On parle de Marvel Crisis Protocol, si. Si tu veux baver avec nous devant ces figurines. Hey, Matt, coucou! Comment tu vas? C'est cool? Ah, oh, ça va. Écoute, je fais du loyaliste. Du coup, mon pinceau est récalcitrant et mes yeux pleurent tout seuls. Parce que c'est psychologiquement très dur pour moi. Le blog Protocole de crise des barbus in-game a traduit les visuels en français cardinal, c'est vrai. Tiens. En tout cas, c'est vraiment très cool hein, ce qu'il a fait le gars. Attends, je suis où là? Regarde ce que je fais, Matt. Je fais du loyaliste. Et puis j'ai ça aussi à faire. Attends, je vous montre. Je te montre. Donc je vais mettre j'ai lui aussi à faire en rouge. Ah merde, moi je mettrai en rouge. C'est cool hein, ça va être mon 1 2 3 4e véhicule en fait. Oui, 4e. Pas Blood Angel, non, c'est un. Il m'a pas dit le nom du truc, pas du chapitre. Et chapitre perso. Et c'est les membres noirs et puis. Excusez-moi. Le torse et le backpack et les fesses en rouge. En rouge et noir. Donc, et ils ont fait un taf énorme, souvent mis à jour. Ah, ça c'est cool. Un jeu qui est mis à jour souvent, ça c'est signe que la commu est cool et que les concepteurs font pas ça comment font ça bien quoi. Ils font pas ça à la vache qui pisse quoi. Enfin, ils sont dans la mouvance du comment on fait un Kickstarter jeu plateau quoi. Savent comment faire quoi. C'était c'est dans le truc quoi. Dans le game. C'est quoi la saloperie en haut de l'écran? En haut de l'écran celui-là? C'est ça? C'est celui-là dont tu parles? Là? Ou non, celui-là, c'est ça? Hein? Ou peut-être le pot de peinture, tu vois, là. Attends. Comme ça, celui-là peut-être. Ça, c'est un pot de peinture Technical Martian Iron Earth. Voilà.
maintenant. Je vais te laisser, passe une bonne soirée. Bah écoute, merci. Je vois pas ce qui te gêne. Je sais pas le. Ah, je sais. C'est le petit salamandre qui était là, caché un petit peu en haut. Et qui est là. Qui est là alors que un peu le cheveu sur la soupe, quoi. Tu vois. C'est ça, hein. Passe une bonne soirée, écrit Doué. Je sais pas, je lui ai dit, hein, oui. C'est quoi la. Je crois que j'ai tout lu. C'est bon. Eh ben, c'est le salamandre sans tête. Mais si, il y a une tête. Regarde, il y en a une tête, là. C'est juste que, bah, c'est pas fini de peindre, quoi. Et j'ai essayé, il fut un temps, le temps où je faisais les salamandres, de faire un peu comme Games, tu sais, avec les lignes et tout. Le truc relou, là. Chiant. Écoute, parce qu'en fait, faut savoir que les salamandres, on a toute une faction salamander et parce que tu sais, on reçoit les conquests et du coup, on s'est dit bon bah, on va faire quelque chose avec les Space Marines et puis on va faire une armée Space Marine mais pour nous deux, tu vois. Et moi, les Space Marines, ça m'envoie pas du rêve et les seuls que je trouve plutôt cool, c'est les salamandres. Parce qu'ils sont plutôt proches des humains. Le Vulcan, il est cool. Donc, ouais, c'est ceux qui me... Puis leur armure, elle est chouette aussi. Bah, merci. Parce que c'est vrai que je testais. Écoute, à ce moment-là, comment fallait faire et tout. Je suis pas... C'est pas trop la peinture qui me fait kiffer, mais bon. Et du coup, en fait, on essaye de choper les lieutenants un peu spéciaux de Games. Les lieutenants, c'est moi qui les peins, du coup. Toi, tous les QG, etc. Et j'essaye, pour chaque lieutenant, d'avoir un style de peinture différente. C'est-à-dire qu'il y en a un... j'ai essayé de faire un peu comme Roman Lapa. Après, j'essaye, tu vois, c'est pas, je vais jamais recopier, mais tu sais, de m'inspirer d'une façon de peindre, d'une technique de peinture, tu vois. Et il y en a un, j'ai essayé de faire comme Roman Lapa. Celui-là, c'est comme Games. Il y en avait un autre, je sais plus c'était qui, que j'ai pas fini d'ailleurs, faudra peut-être que je recommence. Mais tu vois, j'essaye de faire ça, quoi. D'avoir un style de peinture différent pour chaque lieutenant, tout le temps en gardant les mêmes couleurs, quoi. Sinon, ça va faire chelou, quoi. Et oui, bah oui, il a la tête. Non. Bah après, ils ont... je sais pas, je crois qu'ils ont les yeux rouges, hein, mais ils ont la peau très noire, mais noire... Noir charbon, enfin, tu sais, comme la lave refroidi, quoi. Genre, vraiment, une peau très, très noire. Et je crois que c'est les yeux blancs. Je sais plus si c'est les yeux rouges ou les yeux blancs. Je me rappelle plus. Ouais, non, c'est pas fini. Bah, merci, écoute, c'est gentil. Donc, ouais, là, je suis en train de faire un truc. Je vous ai même pas dit ce que je fais. Je mélange le nul noeil. Avec, je l'ai mis où? Je l'ai pas rangé. Non, je l'ai pas rangé. Je l'ai mis où? C'est un Liquitex Eevee Body. C'est pas le noir de Mars, mais c'est Black Ivory. Enfin, c'est le noir d'ivoire. Mais je sais pas où je l'ai mis. Bon, je regarderai plus tard, mais... Bah, le loup. J'ai foutu... Attends. J'ai ouvert... J'ai mis là, j'ai refermé, je l'ai mis... Je l'ai refait dans le tiroir. Ça me dérange. Bon, je regarderai plus tard. Les yeux rouges, merci. C'est gentil. Et ouais, c'est ce que j'ai fait. Parce que faut pas hésiter, hein. Enfin, tu sais, tout le monde dit, ouais, faut mélanger avec de l'eau ou avec un médium et tout. Donc oui, vous pouvez, pas de problème. Mais amusez-vous aussi à mélanger vos peintures avec des shades.
Ça fait d'autres couleurs qui sont. Ça change subtilement les couleurs et c'est sympa quoi. Et puis ça vous fait du glacis assez facilement quoi. Au lieu d'acheter des pots à 12 000 boules. Ah, voilà quoi. Je vais changer la musique parce que je crois qu'on va mourir comme ça. Bon. Bah après, ils sont un peu comme ça, hein, les loyalistes. Hein. Ils veulent juste mourir, quoi. Enfin, faut les. Un bon loyaliste, un loyaliste mort, quoi. Pierre Felin le sait. J'ai fait plein de cistas mortes sur son socle. Et c'était des bonnes cistas, quoi. C'est bien. Ah, bah, ça change tout seul. Écoute. J'ai banni les chaises, j'utilise que de la contraste à la place. Bah, tu peux, hein. Moi, c'est ce que je fais, hein. J'ai tous les pots de contraste. Je les ai tous. Et c'est ultra pratique, quoi. Mais non, ouais, j'arriverai pas à me défaire des shades, hein, quand même. Hein. J'aime trop les couleurs solides. Enfin, tu vois, je sais pas comment, je trouve pas le mot, mais plus compact quoi. Tu vois, plus. Enfin, pas liquide quoi. J'ai pas le mot. Plus compact. La prochaine étape, c'est des clébards morts. C'est cool aussi. Qu'est-ce que tu appelles loyaliste? L'impérium, ouais, c'est ça, tout ce qui est pas chaos. Tout ce qui n'est pas Death Guard. Non, je déconne. Mais oui, c'est ça. Ouais. C'est l'impérium, quoi. Tout ce qui est qui est adepte du faux empereur, enfin d'un gars, enfin d'un cadavre sur une chaise là. Au lieu de le faire ressusciter. Hein. Eh ben non, eux, ils préfèrent le laisser pourrir sur une chaise. Super, quoi. Paye tes fervents défenseurs de l'enfer, quoi. Il est pas mort. Oui, enfin. C'est un peu limite, quoi. Les laquais du cadavre sur son trône. Ouais. Ah, alors tu ne vas pas aimer mon armée Astra Militarum. Ah! Ah, mais par contre, mon copain, il aimerait bien, vu qu'il joue Deathwatch. Et Kul'jin Stealer. Du coup, l'Astra, il va bien aimer, hein. T'inquiète pas. Bah, moi, je l'aime bien, l'Astra, vu que je peux la faire mourir et ça me fait des pox après. Ah, la méchante, ça troll. Ah là 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 là. Ça fait du taunt un peu. Mais si, l'Astra, ils ont des jolies filles. J'aime bien. Bah, c'est l'armée, quoi. C'est vraiment les soldats, les purs soldats et tout. Ouais. Puis j'aime bien leur fleuve, tu sais, comme quoi ils sont tellement nombreux que ils sont même plus comptés. Enfin, ça, c'est va mourir, quoi. Tu joues que des tanks? Ah, c'est cool aussi, c'est marrant. Ouais, c'est vrai qu'ils sont cool quand même. Ça va venir, vous inquiétez pas, c'est déjà presque fait dans le fleuve. De quoi qui va ressusciter? Enfin, qui va mourir et ressusciter? So, I believe in Sebastian Thor, quand même. Depuis qu'ils ont fait les primaris, pour moi, l'Imperium n'existe plus. Bon, ça c'est fait. Le retour de l'Empereur, d'accord. Putain, il y a un gars, je crois que c'est Demidoff. Il fait la peinture de grosses figurines. Après, est-ce qu'on peut appeler ça des figurines? Pas enfin, si, c'est des figurines, c'est pas des miniatures, quoi, en fait. Et il fait des trucs de ouf. Tu fais, ah, c'est un tableau, quoi. Tu le mets sur un mur, ta figurine, et puis t'y touches plus, quoi. Tellement c'est ouf, quoi. Hey, Penthouse, comment tu vas? Parlons de Pox de l'Axtra, tu connais ces figurines? Oula, un lien de Tier Felin. Ouais, j'adore. Tu me fais toujours découvrir des trucs de ouf. Alors attends, tu es là. Zombie Trooper. Oh, excellent.
Puppet Swarm, mais ça me dit quelque chose, Puppet Swarm. Ah, elles sont vachement cool. Attends, est-ce que ça va marcher cette fois? Parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas marcher avec, avec Google. Ah si, ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure, du coup. Elles sont vraiment sympas. Hein. Non, c'est excellent. C'est bien, ça, pour des box, là. Tu mets... En fait, tu as des box normaux. Et puis des box de l'Astra. Et puis quand t'as un ennemi, t'as un adversaire qui joue l'Astra, tu sors cela au lieu des box, tu sais, pour troller un petit peu, tu sais, pour taunter un peu. Ça peut être cool. Mais ils sont chouettes, hein. Ils sont vraiment très très chouettes, hein. Ah, regarde, ils ont de la gueule, hein. Ça marche bien, dis donc. Putain, les visages, ils sont trop cool. Oh putain, c'est trop cool. Ah mais tu peux un peu bidouiller quand même, tu peux avoir un petit peu de changement quoi, c'est cool. Ouais, il faudrait genre deux boîtes quoi, des petits... Mais bon, tu sais, j'en ai déjà plein des... Mais je garde le lien, j'en ai plein des pox. J'ai quoi? J'en ai 30. Plus encore dans la boîte, je dois en avoir bien 20. Donc je dois en avoir bien 50 je pense. Hein. Peut-être un peu moins. Mais par là, quoi. Un truc dans le genre. Ils sont loyalistes, les Imperial Knights de la maison Vexid. C'est vrai que... Donc la petite histoire, c'est que Matt, c'est un copain dans la vraie vie. Et on joue à un jeu de rôle. Et en fait, on a... on joue à Rogue Trader et mon seigneur capitaine, la seigneur capitaine Vexil, elle est, elle est pas, elle est ouverte aux suggestions. Elle est vraiment très ouverte. Et du coup, effectivement, est-ce qu'elle serait loyaliste d'Imperial Knight? C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Je pense, oui, mais si moyen de moyenner, oui, écoutez, sans forcément être, je sais pas. Parce que Vexid, même si elle est borderline, etc., elle aime bien l'Empire, quand même. Elle aime bien le... elle est pas si complètement éloignée de sa fille, quoi, tu vois. Parce que sa fille est jouée par Matt, justement, elle est très des règles, etc., tu vois. Et bon, la mère, pas du tout. Et bah, elle est pas si éloignée que ça, quand même. Faut pas déconner. Non, si, elle aime bien l'Empire, quand même. Hein, elle aime bien le... Enfin, le côté un peu... richesse de l'Empire, je pense. Moins forcément le côté réaliste, tu sais, avec les souruches et tout, on a rien à carrer, tu vois. Ouais, la Rogue Trader, quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est oui. Si on peut s'amuser un petit peu, on le fait, quoi, tu vois. Et mais au service de l'Empereur, quand même. Voilà. Mais putain, c'est ouf, hein, s'ils le font crever l'Empereur. Déjà, je veux la figurine. Déjà, de base. Là, comme ça, c'est sans même regarder comment ça va être. Je la veux. J'avoue que ça serait un petit peu chouette. 50, c'est pas tant que ça, si surtout pour des pox. Je connais pas trop ce genre de faction. J'ai... quasi 80 gardes et je trouve que ça fait pas tant que ça. Ah ouais, 80, c'est... Oui, bah quand c'est... Non, mais c'est vrai que c'est pas tant que ça, 50. Parce que, tu peux faire des compos vraiment de porc juste avec que des pox. Et ça peut être fun aussi à faire, quoi. Lika serait Imperius et un des Armiger sera pour Olria. Olria, ma perso pilote, avec un autre Rogue Trader, hein. Forcément, hein, c'est... je peux pas jouer les deux en même temps. Et ouais, je suis d'accord.
Farmiga. De toute façon, si elle peut... si ça se pilote, elle veut le piloter. T'inquiète. Lisez le dernier roman de Bequin. Vous comprendrez. It will be come. It will be back soon. Ok, bah écoute. Faudra lire ça. Après, moi, je suis... j'ai un rapport avec la lecture un peu chiant. Je m'endors. Par exemple, quand je lis à voix haute, je vais bâiller à toutes les phrases. Donc c'est un petit peu relou, j'avoue. Et quand je lis, je lis toujours la même page. Enfin, tu sais, je suis trop fatiguée pour lire, en fait. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais ouais, je dirais à mon copain qu'il le lise et qu'il me fasse un rapport. Moi, ça me va, ça, hein, aussi. Ça marche, hein. Le tome 2, Paria avec Bequin, le personnage de Dan Abnett. Ah, ça marche. Mais après, j'ai à lire, tu sais, avec Eisenhorn, là. Bah, Eisenhorn, en fait. Et j'ai toujours pas fini. J'en suis à la station... Enfin, tu sais, il a été dans la station où c'est tout gelé. Et il a été voir pas le maire, mais tu sais, le gars qui préside un peu, qui dirige le coin. Et j'en suis là. Et puis, il était en train de poser ses couilles sur la table. Donc, c'est vraiment le début du bouquin, quoi. Bon, je file perso, bon stream, à plus. Bah écoute, ciao ciao Matt, à la prochaine. Bah on se fera peut-être Midgard samedi soir si vous êtes dispo. C'est cool. Tout Eisenhorn et Ravenor. Oui bah tu vois, tout apprend sur... Cherubale, le fle... Quoi ? On apprend tout sur Cherubale, le flect. Je passe en langue. Ok, Sion. Pas de sushi. Je suis au taquet. Allez, bisous. Ok. Ciao, ciao. Ouais, c'est vachement bien, Midgard. J'aime bien. Par contre, c'est dur, hein. Parce qu'il faut que tu fasses ton campement... Il faut que tu te stuffes en même temps, mais qu'il faut que, enfin, t'as trop de choses à faire, quoi. Mais c'est bien cool, quoi. Bah, je suis au début. Je suis vraiment au début, hein. J'ai vraiment... j'ai rien... J'ai pas... J'ai pas tout lu, quoi. Enfin, c'est vraiment le tout début, quoi. Il se fight. Je sais plus, en plus, c'est... Il se fight dans un truc. Il y a un de ses membres qui est mort. Enfin, une nana qui est morte, au tout début. Et puis après, t'as comment... Il va voir le gars qui dirige. Mais faudrait que je le relise, en fait. Parce que j'arrive pas à me souvenir exactement des événements. Mais oui, non, ça me dit rien. Ouais. Après, avec les noms, je suis nulle. Hein. Je suis nulle avec les noms. Mais non, là, pour l'instant, ça me dit rien. Peut-être qu'ils en ont parlé et je m'en souviens pas aussi. Hein. Ça marche aussi. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Mais ouais, c'était cool. J'ai bien aimé la lecture du début, donc... Mais faut vraiment que je me mette à les lire, quoi. Parce que tout mon entourage les a lus, et puis j'aime bien l'univers 40K, donc... Je suis très... tu sais, comme Dune. J'ai lu Dune et je l'ai dévoré, quoi. J'ai vu le bouquin, j'ai fait... Ah, nom, 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 nom. J'ai tout mangé. Enfin, après, je l'ai lu. Non, j'ai écouté Dune. Parce que... Comment... Je l'ai acheté en audio-livre.
Parce que comme... comment dire, j'ai... Merde, c'était en acier, ça. Oh, bon, après, en même temps, c'est pas dérangeant, tu me diras. Parce que quand tu peins, si tu veux, c'est plus facile pour moi de d'écouter un livre que de le lire. Et du coup, c'était vachement pratique audio-livre. Mais par contre, ils n'ont pas Eisenhorn en audio. Enfin, si, en anglais, quoi. Donc même si je comprends l'anglais, à peu près, j'ai pas autant de vocabulaire que pour lire, enfin écouter Eisenhorn en anglais, quoi. J'ai pas assez de vocabulaire pour ça, quoi. J'en ai un peu, mais pas autant quand même, hein. Faut pas déconner. Donc ouais, j'aurais bien aimé avoir un Eisenhorn en français à écouter pendant que tu peins, c'est cool, quoi. Enfin, moi j'aime bien les moments où t'écoutes la... pas des histoires pendant que tu peins. Bon, en ce moment, je regarde comment Docteur Harrow. C'est une série comment sur un médecin légiste qui a fait un truc chelou avec un cadavre, pas mal. Enfin, pas chelou dans le sens cochon, hein, mais genre, il a emballé un cadavre et l'a jeté dans dans la flotte. Donc après, c'est le postulat de la série. Après, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Pour lui, quoi. C'est ça le truc. Putain, j'ai oublié l'antenne. Si je me mettais sur la croix, pas plus, mieux. Et ouais, écoutez, il faudrait que j'aille faire un tour à la bibliothèque. Ils ont des livres comme ça, des histoires, des livres d'histoire comme ça. Je trouve ça cool. Mais bon, en ce moment, je suis un peu série. Donc un peu série, film. Je me suis fait tout le MCU d'ailleurs. Et ça commence par Iron Man 2. Donc tu dis moi? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas le mieux quand même, hein. Iron Man 2, on va faire mieux quand même, hein. Mais ouais. Attends, comme ça. Ok. Là, comme ça. Ah oui, la capière rouge. Bon, c'est pas grave. Je retoucherai si jamais je touche avec le pinceau. Ça n'est pas grave. Ça y est, je commence à avoir chaud. Et du coup, vous avez peint dernièrement? Qu'est-ce que vous avez peint? D'ailleurs, demain, ça va être décor, hein, je vous préviens. C'est décidé. Le vendredi, on peint décor quand c'est pas mes figurines. Enfin, quand c'est mes figurines, pardon. De la merde. Non, ça va être, bah, ça va être la continuité de ça, hein, les petits loyalistes. Et puis quand ça sera ma fille, ce sera un décor pour demain. Rien, rien, rien du tout. D'accord. je vais en faire un autre demain. Excellent. Excellent. Je sais plus si je l'avais terminé. Non, je l'avais pas terminé, moi. Ouais, parce que j'ai pas trop d'occasion de peindre mes figurines. C'est pour ça qu'on a mis en place le 1 heure. C'est mon copain qui a eu l'idée, si je me rappelle bien. Pour 1 heure. 1 heure à la fin du stream, bah tu fais une figurine à toi, quoi. Comme ça, bah petit à petit, ça se peint, quoi. Tu te forces un peu à peindre les tiennes, quoi. Et j'avoue, ça fait du bien. Donc là, ça va être dans 3 minutes.
vu qu'on avait dit qu'on finirait à 20, vers 23h. Donc c'est quand même la semaine, et puis il y a des gens qui travaillent quand même demain. Genre moi, déjà. J'ai fait Carnage, Ultron et rattrapage de Wolverine pour MCP, et là je suis en pause sur Roll20 pour préparer la partie de jeu de rôle de Mutant and Mastermind de samedi. Mutant et Mastermind, tu peux m'en dire un peu plus, parce que rien que le nom, ça envoie quoi. C'est comme... un jeu de rôle aussi, c'est... Tétine et dentelle, ou dentelle et tétine, je sais plus. En fait, c'est un... C'est un jeu de rôle qui se passe avec... en fait, il y a un orphelinat et une maison de retraite l'une à côté de l'autre. Et tu joues soit des enfants, soit des vieux, je crois. C'est un truc comme ça. Ou juste les enfants. Ah, je me rappelle plus bien. Ou c'est des... Non, c'est un binôme, je crois. Faut qu'il y ait... si tu crées un vieux, t'as l'orphelin. Ou le, si tu crées un orphelin, t'as le vieux. Enfin, tu vois, t'as un truc comme ça, je crois. Si je me rappelle bien. Et ça se passe dans un hôpital, je crois, genre style Cthulhu, tu vois. C'est un peu ce genre-là, quoi. Un peu le gars qui a crié, là. Je perds mes mots, j'arrive pas à me souvenir. Tu vois, je suis nulle hein, pour les noms et tout. Ouais. Je connais les trucs, mais je peux pas te ressortir le nom exact, quoi. C'est relou au possible. C'est... Lovecraft. JDR, super héros. Oh cool, excellent. Et vous avez déjà testé comment il s'appelle Mon nom est John, je crois que c'est ça. Mon nom est Simon. Ah je sais plus. Ou je suis Simon. Ah je sais plus, mais c'est un petit jeu de rôle. Il n'y a pas de papier ni rien à faire. En fait, t'as une équipe de personnes, enfin des personnes autour de la table, hein, n'importe. Hein, comme un jeu de rôle, hein, pas plus de 5-6, quoi. C'est pareil. Et puis t'as des jetons, t'as 10 jetons que tu vas miser. Et donc le but du jeu, c'est tout le monde est John, voilà. Et du coup, chaque personne. Donc t'as un MJ quand même. Et le MJ va démarrer la soirée en faisant un truc à faire à John. Donc John, il est un peu fragile, il est. Comment il se fatigue vite, il peut s'ennuyer vite et il se blesse facilement. C'est-à-dire que s'il s'ennuie, ça change de joueur qu'il l'incarne. Et s'il se blesse, ça change de joueur qu'il l'incarne. Et à chaque fois, il va falloir miser pour savoir qui va l'incarner. Et c'est juste excellent, en fait. Donc en fait, t'es autour d'une table, t'as le MJ. Et le MJ, il va dire, bon, bah voilà, John, il est chez lui, il faut qu'il aille faire les courses. Et il avance, il se prépare, il met son manteau, etc. Il sort la porte, et puis ça ferme pas bien, tu vois. Et puis ça commence à... Ah oui, s'il s'énerve trop, ça change de perso aussi. Donc il commence à s'énerver, mais il arrive à fermer la porte. Et puis, y a les escaliers, et puis du coup, t'as tout le monde qui se dit « Oh putain, c'est la merde, il va prendre les escaliers, il va se croûter, quoi. » C'est le but, c'est de changer de perso, enfin, c'est de changer de joueur, quoi. Et du coup, genre, il va tomber des escaliers, donc tu vas devoir miser pour savoir, tiens, en cacher, et puis après, tu regardes la main, hein, le truc tout con, hein. Et qui va jouer le truc? Alors, le truc, c'est de lui faire. Et chaque. Ah oui, et puis il y a ça aussi à se souvenir, c'est que chaque joueur a un but précis. Genre, je sais pas moi, dominer le monde, ou alors draguer la voisine, etc. Donc à chaque fois que t'incarnes John, bah celui qui a dragué la voisine, bah il va vouloir retourner chez lui, tu vois, pour pouvoir faire les trucs. Mais celui qui a dominé le monde, lui, il va essayer d'avoir un réseau, etc. Donc, tu vois, il y a tout un truc comme ça. C'est vraiment très cool à jouer. Enfin, voilà, je vous le vends très mal. Je suis pas quelqu'un qui vend très, très bien les trucs, mais je vous le conseille d'y jouer parce que c'est vraiment cool, quoi. C'est comme Brain Soda, c'est trop cool, quoi.
En parlant de décor avec mes potes, on vient de commencer à imprimer un tes champignons sur ton pour ton futur décor jardin de Greg. Ah, direct, c'est à moi quoi. J'ai pas le choix. C'est voilà, c'est ton champignon quoi. Ok, bah c'est très cool. Bah merci Tierfelin. Il faut juste que l'on maîtrise la technique, d'accord. Ou bah après, oulala, pas de soucis. Hein. Bah écoute, je vais pas te dire non, j'avoue. Avec des options énormes pour créer les super-héros, je vais avoir une Spider-Woman, un Blue Lantern, un Diablo des X-Men à Mata. Ah, mais c'est vrai que Diablo, c'est un de mes personnages que j'aime beaucoup. Hein. Diablo, il est vraiment très. Ah oui, je m'en souviens. Ah, l'arc, il est tellement. Enfin, ils sont tous cool. Le gros champignon, le A là, le B. Les rochers, même les plus petits, tout est cool là-dessus. C'est tout, ils sont tous bien. S'il y a besoin que je vous donne de l'argent, tu sais, pour le coût des matériaux, faut me le dire, hein. Sur moi, je vous rembourse, il n'y a pas de souci. Hein. Au pire, il pourra servir pour tes gobelins déjantés, c'est vrai. Mais j'aimerais bien faire un jardin, justement, qui fasse un peu les deux. Tu vois, au moins que je pourrais. T'imagines un truc un peu assez énorme où t'as mon armée. Pas énorme, façon de parler, mais tu sais, un peu large. Pas forcément avec plein de trucs, hein, mais tu sais, avec. Comment de la moisissure, tu sais. On peut faire un effet avec de la. Comment ça s'appelle? De la cyano. Et de la PVA en même temps, ça fait un effet un peu chelou. Et tu fais ça un peu sur la plaque là, un peu moisissure, un peu bizarre. Et tu rajoutes quelques champignons justement que t'imprimes. Et tu sais, tu les mets et puis tu mets les gobelins à côté, tu vois, ce serait trop cool. Et ça fait pas les deux mêmes univers, mais ça fait quand même les deux armées qui ont un truc un peu commun dans ma tête pour le jardin avec les champignons, la moisissure, un peu le côté un peu gluant, un peu mystique des gobelins. Enfin, ça peut être très cool de faire un peu un diorama un peu comme ça, quoi. Ah, un beau décor, ça change tout, hein, mais c'est clair, quoi. C'est clair. Bon, je peins pas tant que ça. Ah, ben en plus, c'est bon. J'aurais fait quoi? Trois figurines? Ouh! Bon, allez, je vais faire. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il est là. Non, j'avais dit que j'avais fini celui-là. Enfin, j'avais fini. Je vais le retoucher, ça c'est sûr, mais faudrait faire une autre figurine de celui-là. Il y a encore des trucs à faire, mais c'est bien aussi d'avoir la figurine de sainte. Bah tiens, vers lui. Ah non, j'avais dit l'autre là. L'intendant. Parce que l'intendant, je vais le jouer. Donc autant le peindre, du coup. Un peu gluant, mais appétit. Attends, c'était dans quoi? Un peu gluant, mais appétissant. C'est Simba dans le Roi Lion. Et ouais, c'est cool. Chaos time! Mais grave. Alors, j'avais mis quoi? J'avais mis. Ah oui, Coelia Green Shade. Je vais faire ça déjà. Un peu partout. Je vais changer un peu de méthode de peinture, j'ai envie. Pas changer de méthode, non. Je vais toujours avoir le même genre de méthode de peinture, mais. Merde, c'est où? Assure. Mais c'est comme la sous-couche là, elle est. On a eu un problème avec la bombe blanche de Army Painter. Et du coup, la peinture, elle est un peu sèche à l'intérieur. Et du coup, enfin, je suis obligée de rattraper, entre guillemets, un peu le truc. Et ça fait une texture un peu chelou, à ma sous-couche. Donc, on va faire ça, comme ça. Ça va être pas mal, c'est pas très grave, hein. C'est pas. Mais tu sais, pour que je voie un peu,
la figurine, comment elle est, quoi, en fait. Toi, il y a des trous là que je voyais pas. Toi, celui-là, je l'ai pas vu. Toi, il y a des trucs qu'on voit pas bien. Mais j'aime bien, il y a des bouquins partout. C'est trop cool. Et ouais. Bientôt, peut-être, future joueuse de Marvel Crisis. Et encore une de plus en moins. Une de plus. Bah ouais. Si vous voulez, hein. Nous sommes faibles. Bah, le rendu poudreux, c'est pas la peinture qui sèche, c'est une bombe mal secouée, hélas. Ah, c'est parce que j'ai mal secoué? Oh, bah peut-être, hein. Pourtant, je l'avais secoué vraiment pendant longtemps et assez énergiquement, donc je sais pas, c'est bizarre. Après, bon, faut savoir aussi, j'ai pas une force de malade mental, j'avoue. Mais de toute façon, je vais la filer à mon copain et puis elle va, comment il va voir ça, s'il peut secouer plus que ce que j'ai fait, pour voir ce que ça donne, quoi. Ah, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qu'on voit plus trop en stream, mais qui faisait la même activité que toi, tu vois, et qui m'a dit la même chose, mais quand j'avais un problème où ça pchitait pas, en fait. Et du coup, il m'a dit de la retourner, justement, comme toi. Du coup, je savais pas que tu pouvais le faire aussi pour vider, en fait, les dépôts. Exactement. Ok, écoute, je le ferai. J'aime bien ce vert Koala Gunshed là. Je trouve sympa. Ah bah oui, du coup on est le soir, alors je vais pas pouvoir faire le sèche-cheveux, enfin le sèche-mini. Je me suis fait une auto-blague où tu sais, tu fais le sèche-mini, puis tu vois Minnie Mouse en train de faire avec les oreilles. Ah là là, je me saoule des fois à faire des blagues pourries comme ça. Tu peux aussi avoir cet effet rarement si tu sous-couches quand il fait très froid ou quand c'est très pluvieux dehors. Ok. Quand il fait très froid, alors il fait jamais très froid chez moi, donc ça va. Et pluvieux, je le fais jamais dehors. Enfin, j'ouvre la fenêtre, mais je le fais pas dehors. Du coup, on va en faire un autre, hein, vu qu'il faut attendre que ça sèche. Attends, je m'en suis mis dans les cheveux. Ah, je m'en mets partout. Je vais y arriver.
même temps. Ouais. J'aime bien le mec, il a sa... dans son encrier, tranquille. Ok. Bon. Ça, ok. Ah oui, non, mais il y a le petit A aussi derrière. Bon alors, qu'est-ce que t'avais oublié? Mon mini-ga. C'était nos feuilles. Ouais, c'est ce que je pensais faire, ouais. D'en faire une autre en même temps, quoi. Ouais. Faire la même chose, mais... Il y a du blanc, là. Ouh, j'ai vu du blanc. T'inquiète. Oh, bah, tiens. Hop. Bah du coup un autre qui est il y a lui la Vélie. Cool. Est-ce que je l'ai collé? Non, je l'ai pas collé. Je crois que je peux le laisser en fait. Non, je vais le laisser. Et puis je vais... Ah merde. Et ça fera des taches sur le socle, ça sera pas plus mal. Faire ça. Je vais rajouter comme ça. Et... Oups. Puis on va en prendre un plus gros parce qu'on va en mettre partout. Et du coup, je vais me... Oui, il me dit quelque chose de gros plan de pustule. Mmh. Bah, j'ai envie de dire qu'il a fait un long voyage de 4 heures. Il est trop beau. Il est trop beau. Non, c'était le gros, j'avais dit. Le gros. C'est cool quoi, je vais avoir quelques figurines peintes, ça va être trop bien quoi. Merde, c'était noir ça. C'est du splouch splouch hein, là. Là ça fait du la touche. Voilà, j'ai appliqué du blanc, mais c'est tellement, il y a plus d'adhésion, quoi. Hop. L'ASMR Nurgle. Ça va faire très... Bon, je slide la chose si tu me diras. Ah, c'est cool comment elles sont faites, les craquelures, t'as vu? Comment c'est trop bien fait, quoi. Oui, j'aime bien Nurgle. J'aime bien les figurines. Écoute, je suis trop à fond dedans. Mon petit bébé. Quand même. Ta-da-da-da-da-da-da-da.
Puis après, on va faire du splouche-plouche. Sèche-toi, hein. Attention l'intendant. Hein. Sèche pas, pas en cul, hein, comme on dit. En tout bien, tout honneur, j'étais en train de me dire, mais attends, that's what she said, c'est un peu ça, quoi. Ok. Bon, on va faire le socle, hein, du coup. Qui me gâte. Est-ce que un aimant, si par, j'étais en train de penser, tu sais, au diorama jardin machin. Est-ce que si par exemple, je mets de la texture, tu sais, je, par exemple, je fixe une plaque de métal sur une planche en bois et que par-dessus la plaque de métal je mets genre l'épaisseur d'une feutrine, toi genre une épaisseur un peu comme ça, pas très grosse, toi genre un peu comme ça par-dessus, est-ce que si je mets des aimants sur mes figurines ça va s'aimanter? Est-ce que l'épaisseur ça va pas ah, de la taille et de la force d'attraction. Ouais, si j'en mets un peu plus fort, il y a peut-être moyen que ça traverse, quoi. Parce que ce serait bien, tu vois, qu'il n'y ait pas des trous sur le décor. Ça me fait chier, en fait, qu'il y ait des trous pour la place des figurines, quoi. Ça se trouve, elles ont envie de se balader, mes figurines. Elles ont peut-être pas forcément envie de, d'être toujours au même endroit, quoi. Je dis ça parce que si je les enlève pour jouer avec et après qu'il va falloir que je les remette dans leur emplacement, je vais pas m'en souvenir. Ou alors faudrait que je mette leur nom dans les emplacements. Mais ça me pète les couilles. Et du fait qu'ils soient néodymes ou pas. Bah du coup, tu préconiserais quoi alors? Parce que t'as l'air d'en savoir plus que moi. Enfin, de t'y connaître. Alors du coup, je connais 2-3 trucs, mais c'est tout quoi. Moi, les démons, c'est pas... J'en fais pas tous les jours. D'accord. Bon, genre celle-là. Ouais, 30-40. 60 pour certains. Ça va faire une épaisseur, c'est ça? Ça va être... Tu risques de décoller la figurine et pas... Ah oui! C'est pas con. Du coup, ouais, il faut... ouais. Ou alors, tu peux mettre plein de petits. Je sais pas si c'est... Je sais qu'il y a des plats assez larges, plutôt fins. Enfin, faut... ouais, faut tester, quoi. Faut tester. Bon, c'est encore pas... Ouais, ça va être le même problème. Ok, ça marche. Du coup, bah, il y a cela. Tiens, il y a lui. Il y a lui aussi à peindre. Ah, lui a aussi à peindre. Pas forcément que je les loue, mais... Comment ils font partie de mon armée, faut que je fasse.
Ok. Ouais, faut tester quoi. Ça peut se faire, mais faut tester. Ok. Marrant cette musique. D'accord. Ouais, est-ce qu'ils l'indiquent là, les 480 grammes par aimant? Ils indiquent le poids ou... Parce que s'ils indiquent le poids, tu peux très bien peser ta figurine, savoir... avoir une indication, genre, tu vois. Ouais, d'accord. Donc ouais, il y a moyen de... Comment de réfléchir le truc quand même? Quand même. Oui, je sais bien, c'est le fait de l'apprendre, la force que tu vas mettre, le fait de retourner voir avec le... Enfin... Ouais, c'est ça. Mais bon. Puis il y a le bourrinage dans le sac aussi. C'est... Si ça va résister à la maladresse de Little Mad aussi, ça joue aussi. Hein. C'est important. Chill, relax. C'est le moment détente. Détendez-vous sur votre canapé. Little Man s'occupe de vous. Si tu mets des aimants, ben faut une boîte bricolée. Oui, bah ben ça c'est pas un problème. Grosse boîte plastique, rouleau aimanté, autocollant sur le fond de la boîte et plus rien ne bouge. Oui, non, mais moi c'était surtout pour le jardin de Nurgle Gobelin quoi. Et des champignons. Même pas vu, il y a des sortes de veines là, dégueu.
Ouais, bah écoute, ça c'est pas trop compliqué à faire. Il y a juste par endroit où ça sera plus élevé, mais tu mets pas de figurines du coup. Ah ouais, bah oui. T'inquiète, t'inquiète. Ça, oui. Ouais, je testerai à chaque fois, forcément. Oui. T'imagines, tu fais tout, tout est chiadé et puis il n'y a rien qui va. Tu fais. Tu pleures, quoi. Qui a une chemise hawaïenne? Je pense que c'est le moment, là. S'il y a un moment où vous pouvez mettre la chemise hawaïenne, c'est maintenant. Bah oui. Je le range à chaque fois. J'espère que l'intendant il est sec, il sèche. C'est ça. Oui, carrément. Faut des moments à Hawaï dans sa vie. Des moments où chill avec une noix de coco et une paille. Bon, dedans, tu mets pas de noix de coco parce que j'ai horreur de ça. Enfin, j'aime pas ça. Il y a pas beaucoup de fruits que j'aime pas. Mais alors, la noix de coco et puis j'aime pas trop. J'aime bien l'huile de noix de coco en cuisine, par exemple. Mais par contre, il y en a un que je déteste, c'est l'ananas. Ah, putain, c'est dégueu l'ananas. J'aime pas du tout. C'est complètement. Je suis raciste de l'ananas, tu vois. C'est vraiment limite. Ah, tu veux l'ananas qui est sur la table? Eh ben, va le chercher tout seul. Mais j'ai pas la voix haïtienne pour aller avec, si tu as compris l'allusion. Alors ça, c'est pas dit. Je suis un peu team premier degré et j'ai toujours du mal avec les tu vois. Ah, toi-même tu sais et tout. Des fois j'y arrive et des fois bah, et puis là c'est genre c'est le fruit, l'avocat, c'est ça? Ou peut-être un jour j'y arriverai. Bon, mon petit drone là, moi je veux du légume et mon gars. Ça sèche légèrement. Non. Bon, je fais un peu hein. Je le fais à la. À la genre c'est de l'aquarelle, mais en fait non, c'est de l'acrylique. Je vous ai. Dégage. Oh, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, bah hier, Man of Steel. J'arrivais pas à dormir. Et toujours aussi bien ce film. Hein. Bon, moi je l'aime bien. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais bon, moi le seul truc que j'aime pas, c'est le père qui meurt dans une tornade. Et là tu dis ouais, enfin je préférais la maladie. Même si bon, ça se tient aussi hein, leur postulat, mais moi je l'aime bien. Écoutez. Je trouve cool. Il est pas pire qu'un Avenger, hein, comme dit mon copain. Je l'aime bien. Puis c'est Henri Cavill.
jamais vu la... Ah si, mais il y a très longtemps. Et oui, effectivement, du coup, maintenant que tu me le dis, oui, ça marche. Et c'est vrai qu'il est cool aussi, Las Vegas Parano. Ou comment il s'appelle Johnny Depp ne faisait pas que du Jack Sparrow, quoi. Oh, mais si, t'as un siège, je les ai vus. Je l'ai vu. J'ai vu le film il y a très longtemps, hein, il y a vraiment très très longtemps. J'ai hâte que mes gamins ils soient ados pour le revoir. Après, tu me diras, je pourrais le revoir avant, mais. Mais on est plus film en famille, du coup, avec les chiots. C'est un excellent film, c'est vrai. Comment être un geek, jouer à 40K et être beau gosse de le beau gosse de la Terre, mais grave. Ah putain. C'est comme je dis, Henri Cavill, il peut me faire faire, il peut me faire ce qu'il veut, hein. Pas de problème. Hein. Puis The Witcher, quoi. Non mais Henri Cavill, quoi. J'aime bien parce que sur Insta, il est trop mignon parce que. C'était, je crois que c'était sur Insta hein, qu'il avait, non ou sur YouTube. Non, je crois que c'était sur Insta. Oui, tu sais, il te met une vidéo où il monte son ordi. Il monte tout son ordi. Et il y a une pièce qui est pas montée comme il veut. Alors du coup, il est obligé de tout démonter pour le remonter comme il faut. Parce que en fait, c'est un logo, enfin un truc qui est à l'envers et en fait, tu vois que ça. Du coup, c'est con et t'es obligé de tout refaire, quoi. Ouais, il joue à 40K, Henri Cavill. Il a des custodes, il a peint des custodes, si je m'abuse. Et il lit aussi beaucoup comment ça s'appelle l'univers 40K. Il aime bien, ouais. Tout à fait, Tirfala, tout à fait. C'est un homme qui a du goût. L'univers, quoi. Mais c'est pareil, hein, j'ai trop hâte de voir Dune. Oh, mais Dune, quoi. Mais comment je l'ai dévoré, ce livre. Bon, c'est un peu cher, quand même, hein, les livres du haut, hein. Mais il n'empêche que c'est quand même un petit peu fin bien. Comme texture là. Je l'aime bien celle-là. Je sais pas si vous voyez trop, mais là, celui-là, cette partie-là, j'aime bien. Je l'aime bien là aussi. Là, c'est pas mal. Là, c'est un peu tout naze. Essayez de faire. Soit un peu foncé, c'est pas très grave. Du genre BBC One en prime, il dit à la présentatrice, ah, bougez pas, ce trône doré me rappelle un truc. Ah, excellent. J'aime bien parce qu'il force pas non plus. Si c'est, il sait que bah, les gens ils connaissent pas tous, c'est un peu hermétique. Et du coup, il est plutôt discret, quoi. Il fait son truc. Et ça, j'aime bien. Il est pas à en faire des caisses. Et ça, c'est trop cool.
Attends, j'ai changé de musique parce que pareil, on va mourir. L'intendant, il est sec ou pas? Pour bon, enfin, on peut y revenir plus tard, on s'en fout. J'aimerais bien que les creux soient un peu plus secs. Bon, allez, on peut le faire, c'est pas non plus trop chiant. Non, attends, on va faire le violet et le bleu. Alors, j'avais pris quoi? Pourquoi j'ai dérangé? Ah non, c'était vert. Une argale, tu peux pas beaucoup de choses. Mais... Attends, le vert. Hop. Et le violet. Le violet, on va prendre. Le liquide bleu, ouais, il est un peu liquide, hein, il est un peu transparent. Ouais, on va prendre le chimera. Ah cool, j'aime bien la conversion. J'avais fait un peu des parce que je joue comme en Skaven et du coup je les ai fait je fais Eshin en Skaven et je les ai convertis un petit peu pour qu'ils soient un peu plus dynamiques et un peu plus ninja assassin quoi. Je pourrais peut-être faire des teenage Skaven mutant ninja. Pépouze en son patelin d'origine avec sa copine d'avant la reconnaissance, c'est presque quelqu'un de normal. C'est insolent comment il est Mr. Perfect. Oula, attends, ça se trouve c'est un gros serial killer et on n'en sait rien. Hein. Ah, excellent. Cool, Kirfela. Ils vont faire une belle figurine d'Horus. Hmm. Merde, où je mets? Là, on va mettre là. Devrait nous faire. C'est qui devrait nous faire une belle figurine de Russe? Je crois que j'ai pas suivi. C'est Henri Cavill. Je dilue un peu. Tac. Mon blanc aussi qui se dilue au lieu de la neige. Ok, on va faire du splush splush. Alors, splush splush. Alors où est-ce qu'on met mettre là? Ah non, c'est du tissu ça. Tac. Un peu là, un peu là. Voilà. Alors je vais me concentrer un peu, je vais peut-être pas tout voir le chat là pour l'instant. Juste le temps de faire du splush splush.
bon, ça se voit quand même. Pour dire, je suis un intendant. Les mecs. Un machin comme ça, genre. Comme ça, je vais foncer, on s'en fout, on voit rien. Là, c'est pareil, on voit que dalle. Dans le style pré-hérésie version Luna Wolf sans insigne chaotique. C'est quoi cette figurine? C'est pas possible. Des insignes chaotiques, c'est bien. Pourquoi vous voulez pas? N'importe quoi. Je comprends pas. Mais j'ai pas mis de blanc là. Un micro vert là, histoire de dire vas-y, chez il y a celui là, là, attends, il est un petit peu trop transparent, mais bon, écoutez, ça va se faire, c'est pas grave. Je sors de mon linge, je vais faire dodo, ok. Pas de soucis. Bon dodo, bonne nuit, faites beaux rêves, tout ça, tout ça. Et puis bah à la prochaine. Dors bien. Fais de bons rêves. Rêve des Nurgles. Ah, ils sont gentils. Ah, pas là. Bah, j'ai envie de dire... voilà. Écoutez. Bon, un genre de truc comme ça, quoi. J'ai envie de le faire, mais de faire figurer. On faisait qu'est-ce que tu nous fais, toi? Vous l'aimeriez pas comme ça? Peut-être. Attends, fais voir. Ah, oh, c'est marrant. C'est marrant. On voit pas. C'est marrant aussi, comme ça. Un peu genre, non, mais ça va. Tranquille. C'est vrai, c'est cool aussi. Bon. Super. Merde, c'est décalé. Attends. Et on peut faire comme ça. Ouais, tu vois. Pas mal aussi. Ah, il l'a fait blanc. Il l'a fait blanc, c'est marrant. Ouais, un petit peu converti. Ouais.
Non, mais pourquoi pas, c'est cool aussi, hein. C'est marrant. C'est marrant. Je m'amuse bien à faire mes petites tâches là. Je vois pas là. Ok. Pas mal aussi, hein. De toute façon, j'aime bien les. Comment ça s'appelle les. J'ai dû faire un buste comme ça d'un Luna Wolf qui est parti. C'est Yacton Cruz. Quelqu'un qui m'avait demandé un buste. Pas de convertir un buste. Pas convertir, non, mais. Les couleurs étaient très, très précises. Enfin, c'était une. Une charte graphique très précise, c'était cool. Je suis assez d'accord avec toi. J'aime bien les couleurs pré-hérésie. C'est comme les World Eater aussi, pré-hérésie, ils sont chouettes. Ils sont vraiment super beaux. Les World Beer non plus. Ah, je vois pas comment ils sont. Ils ne sont pas top. Ah merde! Ouais. Après, oui, ça dépend comment tu. Comment tu le présentes aussi. Hein. La présentation, ça joue, hein. Ça joue toujours ça. Hein.
pas, ce jeu aussi est cool à faire. Enfin, moi, je l'ai vu faire. J'ai pas trop l'occasion de jouer, mais. Ah, les Thousand, je les voyais un peu, mais les Bearers, d'accord, elles sont gris. Ah, je sais pas. Ça peut être sympa. Mais bon, si vous dites que c'est pas top, je crois. Hein. Je suis pas chiant. Oh, ça me fait penser aussi à faire de la texture sur des Nurgle. Il y en a un sur Insta, mais par contre, je sais plus le nom. Il a fait des Nurgle, mais en fait, toute l'armure, c'est en bois. C'est genre comme si c'était du bois. Et ça rend trop, trop bien, quoi. Son armure, elle est juste magnifique, quoi. Tu vois, je veux la même. Si je dis pas de conneries, les World Bearer, ils sont bord au métal pré-hérésie, c'est pas que les mecs du HN Circle qui sont gris. Oula, vous commencez à devenir ultra ultra technique là. Je suis perdu. Vous m'avez perdu là. Je pense, déjà bien quoi. C'est vrai que c'est familier ce que tu dis, Tierpelin. Je sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui me l'avait dit ça. C'était peut-être toi. Hein. J'ai le Thousand Sun, il y en a pas des masses là chez moi. J'avais envie de faire lui en fin de compte, du coup on fait lui. C'est un peu comme ça quoi ici. Les Imperial Herald, le Imperial Herald, leur nom sont gris, d'accord. Tu vois comme quoi hein.
D'accord. À gauche, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu l'image. Par contre, à droite, je crois que j'ai pas vu cette image-là. D'accord. Bah, écoute, ça fait très genre armure de métal. Genre la première armure, tu vois. Genre on s'est dit, c'est le proto, quoi. C'est un peu ça, je trouve. Bon, je sais pas comment on va faire la peau. Ah si, j'avais dit peau normale. Voilà, elle est MK1. Merci. C'est la MK10, je crois. Enfin, y en a deux des armures, je crois. Je crois que c'était la MK10. Où il n'y a plus les plans ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Je crois qu'il y a un truc comme... Je crois que c'est la 10. Je pense pas que ce soit là. Ah, ça me fait penser dans un scénario de jeu de rôle, on avait trouvé une armurerie, tu sais, une usine de Mars, enfin pas sur Mars, mais tu sais, du Mechanicus qui faisait des armures justement. C'est cool. Oh, mais il est 23h. De coquineau, vous dites rien. Vous le dites. J'avoue là, c'est trop précis pour moi. Bah tiens, en parlant d'armure, enfin, ça va pas trop avoir, mais surtout parce que je parlais de jeu de rôle. Tu sais, on joue à Deathwatch. À Deathwatch. Comment en jeu de rôle? J'ai un apothicaire et j'ai les. Il est.
comment il s'appelle le chapitre exprès pour Death Watch? C'est Tom Warden, je crois. Un truc comme ça. Et j'aime bien l'idée des chapitres un peu qui disparaissent. C'est dans l'idée de l'armure. Ah, c'est clair, c'est un super jeu. Oui. Ouais, c'est vraiment cool le Swatch. Ah, c'est vrai. Bah, ton joueur ou joueuse est une personne de goût. Surtout qu'en plus, nous, on a découvert une bibliothèque interdite. C'est moi qui porte la clé. Ah, ah. Eh ouais. Des plans de boulet, les gars. Ça, c'est vrai. Ah, c'est la merde. Nous, on a quoi? Un Blood Angel. C'est notre capitaine. On a un Black Templar. Et on a un Space Wolf avec son wolf. Sympa de te voir peindre des grosses figues à toi aussi. Ah, c'est gentil. Bah écoute, c'est sympa de les peindre aussi. J'avoue. On va commencer à mettre le blanc. Ah merde, j'ai mis là où il y a du violet. Vais mettre sur le côté un peu. Prochaine commande, tu vas voir aussi tes Bladequorn avec plein de bits de conversion pour faire des sacs à puces Bladegore. Ah oh là là, j'en connais une qui va être contente. Ah oh là 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 là. Ah oh là là. Avec une mine magnétique à plasma, échec critique à la pose de la mine sous le char. Oh! Et là, le Blood Angel délire. Il monte sur le Ben Blair Blade et tire dans le canon du qui avait un obus volcano chargé et le tout avec un fuseur, s'il vous plaît. Ah ouais! Ah ouais, alors cette scène, faut la vivre pour le croire. Hein. Oh putain, la vache! Putain, mais en fait, ils s'en sont tirés comment? Comment ils ont fait après? Parce que là, c'est chaud, quoi! Va falloir avoir la main lourde sur la conversion. Faut limite que l'on va les voit les puces se balader sur la figue. Ah bah, tu sais, je peux rajouter des petits vers ou des petites mouches. Non?
Non, mais ouais, bah tu sais, un loup en décomposition, quoi. Ça se fait, tu sais, genre la mâchoire qui se barre, ou même là, un loup qui a pas de mâchoire, ou qui se balade, ça peut se faire, hein. Bah ouais. Là, elle va râler la dame. Oui, j'avoue. Là, attention, chérie, ça va râler. Et ouais, c'est. Ok. Oui, tu m'étonnes que. Non, on parle de Deathwatch. Dark Hérésie, mais jamais tu fais ce genre de truc, quoi. Jamais tu peux, quoi. Ouf, tu peux pas faire ça. Mais même déjà rien que. Le Stormwarden roule sous un Blendblade. Déjà là, le pauvre. Comment il s'appelle le pauvre acolyte, il est déjà mort rien qu'à regarder la scène, tu vois. Ah, mais c'est un très bon jeu aussi. De toute façon, les Dark Heresy, Deathwatch, Rogue Trader et Black Crusade, c'est des très bons jeux. J'ai envie de te dire, on peut pas se louper. Tu veux passer une bonne soirée, c'est bon. Ça se fait. D'après, ils ont braqué une mante à taux et ont voulu la poser dans un hangar d'une barge de bataille. Mais ils sont un peu tarés, quoi. D'une Dark Angel pour chier le Space Wolf. D'accord. Non, nous, notre MJ, il fait vraiment le. Comment le côté unité où on fait vraiment tous les rituels etc. On pose l'ambiance, on va préparer la bataille, on n'y va pas comme des loulous, quoi. J'ai l'impression que tes joueurs ils sont un peu casse-cou, quoi. Ils sont un peu, oui, allez, on est des Space Marines, on y va, quoi. Alors que, en fait, Deathwatch, c'est vachement cool quand tu le fais pas forcément, en fait. Oui, tu sais comment on nous surnomme quand on joue? Le SWA. C'est comme le SWAT, mais sans le T de tactique. Elle est bien. J'avoue, parce que vu la description, le tactique, il y est pas du tout. Ah, tu m'étonnes. Oh là là. Ah, mais c'est comme. C'était laquelle? Ah oui, je crois que c'était à Dark Heresy. En fait, si tu veux, on est à un moment dans Dark Heresy, dans notre façon de jouer à Dark Heresy, on avait deux groupes de joueurs. Parce que mon MJ, il veut pas plus de 5, voire 6, parce que sinon, au-delà de 6, ça devient débile, il n'arrive pas à bien gérer les joueurs parce que il aime bien amener des trucs. De chaque personnage, de chaque joueur, un peu dans le scénario, tu sais, un truc qui plaise un peu à tout le monde, si tu veux. Et il y avait une équipe de Dark Heresy, justement, oui, le tacticien est mort. Justement, t'avais une table de joueurs où, en fait, t'as dans le jeu les personnages non joueurs. Il disait, ah, mais c'est la fameuse équipe. Et tu fais. Là, quand tu commences à être connu, ça pue du cul. C'est que c'est pas bon, ça. Et c'est marrant. Ouais. Mais au premier dé de la campagne, Blood Angel est mort. Coup d'épée psychique du psycheur Space Wolf, échec critique, jet de dégâts 27 points sur le Blood Angel. 27 points!
Putain la vache, mais c'est... C'est quoi ce jet de dés, quoi? 27 points. Enfin, c'est quoi ces dégâts, quoi? Ce truc de fou, quoi. Le tout pour défoncer une porte. Psy rend 3, oui d'accord. Donc 3 des 10 avec ton épée. Bah, tu ajoutes ton psy à un des 10 aux armes psy quand tu es psycheur. Ouais. Moi je fais pas de psycheur. Hein, enfin, par exemple, à Dark Hérésie, j'ai fait une intouchable. C'est une paria intouchable. Donc, qui est super géniale parce que tu vois, elle fait double flingue, tu sais, à la. Tous les bonus qui vont bien, donc je peux courir et faire bra avec deux flingues comme ça, quoi. Les trucs classe. Toi, tu peux pas. T'as des difficultés à me toucher quand je cours et que je tire. Enfin, tu vois, c'est tout un embringuement, c'est un combotage. Le psycheur, ça finit toujours en invasion de démonaxe. Mais grave, tu vois, par exemple, c'était dans. C'est pas Rock Trader, c'est pas Deathwatch. Non, je crois que c'est Dark Hérésie. Non, si c'est Dark Hérésie, parce qu'on a un psycheur, la seule psycheur que je connaisse qui me tolère, entre guillemets, parce qu'elle me trouve utile. Alors, du coup, c'est moi, je suis le porteur, je suis la porteuse d'artefacts, tu vois. Oh, ça a l'air chelou. Tiens, Henry, va choper l'artef. Parce que forcément, sur moi, bah, ça fait rien, quoi. C'était bon, bah, ok, si tu veux. Et du coup, on a appris qu'elle avait eu un démon à l'intérieur d'elle. Et je lui dis. Tu sais, elle disait, ouais, mais je contrôle, machin, etc. Enfin, ça allait, ça foutait pas la merde ni rien. Enfin. Il y avait, tu sais, parce que c'est des GD pour voir qui contrôle à un moment, enfin, quand elle utilise des points de destin. Enfin, si je me souviens bien, ça fait un petit moment. Et je lui dis, mais de toute façon, si tu passes un truc, je te mets une balle dans la tête. Je te bute. Je te bute, quoi qu'il arrive. Tableau des incidents, il a fait 100 et hop, refait 100. Bah, elle a fait la même chose. Tout pareil. Et 1 million de tyrannines et une infestation démoniaque majeure, donc au minimum 3 princes démons et leur suite en plus des tyrannines. Wouah! Wouah, ça c'est balèze! Nous on avait dû faire quoi à Deathwatch? Je sais plus si j'étais là. Parce qu'il y a un moment je pouvais plus jouer, il fallait que je travaille. En fait, c'était une invasion de l'espèce marine du chaos sur une planète. En fait, je crois que c'est ça. Il y avait 3 planètes on a dû purger une planète avec des orques une autre. C'était, il n'y avait pas grand-chose, mais c'était des arcs. Des sortes de portails à Artef, je sais pas, un truc chelou, je crois. Après, je me mélange peut-être avec les scénarios. Hein. La troisième planète, bah, c'était ça avec l'invasion. Ça finit en invasion démoniaque. Bah, le truc, c'est que le. Ouais, c'est ça, il y avait un démon qui voulait sortir et tout, puis on devait essayer de faire en sorte bah, qu'il sorte pas. Et je crois qu'il est quand même sorti. Oui, c'est ça, mais il y avait une psycheur fille, une petite fille qui avait des dons psychiques. Alors, c'était soit la buter façon Imperium, parce que c'est une sorcière, si tu veux.
Et comment et t'avais le Space Wolf qui voulait pas. Parce que si tu veux, il y avait un Dreadnought vénérable qui avait perdu, enfin, qui avait plus de mana, en fait, si tu veux. Et du coup, soit fallait lui refiler à manger, il butait la petite fille, et du coup, il pouvait buter, enfin, essayer de contenir la horde de démons, enfin, etc. Et puis le démon machin majeur là. Je me rappelle plus tout dans les détails, mais en gros c'était ça. Et du coup, en fait, y avait deux joueurs à la table qui voulaient pas qu'on bute la petite fille. Moi j'étais l'apothicaire, pour moi c'était bah non, on la tue quoi, c'est une psycheur, on la tue quoi. Et du coup eux ils voulaient pas, alors ils l'ont refilé à un vaisseau noir quoi, pour qu'elle aille faire ses classes en tant que psycheur quoi. Enfin, elle va tester sa psychicness au trône de l'empereur, et puis si elle explose pas, ils vont l'utiliser quoi. Qui ordonne une frappe orbitale. Il l'avait pris en réquisition, d'accord, sur une mêlée d'orques, sachant qu'ils étaient à 600 mètres de la mêlée. Waouh. Ils ont pas l'air, ils ont pas l'air ben malins quand même, hein. Je voudrais pas dire. Ils ont l'air un peu. Et ils apprennent de leurs erreurs, non? Je sais pas, hein. Peut-être à un moment ils se disent bon, on va peut-être arrêter de faire les cons. Mais c'est drôle en tout cas, c'est Epic Next, hein. C'est comme moi où j'ai joué à Deadland. Et je jouais je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, les joueurs de cartes là. Enfin, les magiciens de cartes. Et en fait, j'avais plus rien. Et c'est une sacrée bande de joueurs. Non, c'est des joueurs de poker, mais c'est un nom à Exler. Non, je sais plus. Pourquoi que ce soit ça. Et en fait, elle avait plus rien. Je pouvais plus rien faire. Et du coup, il y avait le méchant. Hyper ton, mais tu sais, genre comme moi, mais en 10 000 fois plus fort. Et j'arrive en surprise, je prends une pelle. Donc, la pelle à Deadland, c'est un système Savage World. Alors, du coup, quand t'es petit bidule, c'est des 4, après des 6, des 8, des 10, des 12, etc. Et plus tu augmentes de dés, et plus t'es balèze en fait dans la compétence que t'as. Et c'était un peu improvisé, enfin, tu vois, tu prends une pelle et puis je commence à le taper. Je dis, bah, je prends la pelle et puis je le tape, hein. J'ai plus que ça pour me défendre, donc je vais ça. Et du coup, je lance un dé 4. 4, 4, 4, 4, 4, et 4. J'en ai fait 10 dé 4. J'ai fait 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 sur le dé, j'en ai fait plein. Et du coup, bah, je l'ai buté. Et le MJ, il était. Enfin, le MJ dont je parle, hein, quasiment, il fait tous les jeux, c'est mon copain. Et il était deg, entre guillemets, hein, après c'est épique, hein, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'il était. Mais putain, t'as buté le balèze du scénario, quoi, qui était prévu. Mais avec une pelle, quoi. C'est tellement pas épique. C'est tellement. Darwin Award, quoi. C'est vraiment c'est un peu tout pérave comme mort pour un boss quoi. C'était drôle. Mais c'est cool aussi Deadland, hein. J'ai bien aimé. Surtout qu'en plus il y a un des joueurs, bah justement celui qui était là qui s'appelle Matsazu, lui il faisait un joueur, un espagnol, pas un mexicain. Et en fait, à chaque fois qu'il parlait, il avait l'accent mexicain, enfin, tu sais, espagnol. Yo ne sais pas pour vous, mais moi, je suis beau gosse. Enfin, tu vois, il pouvait parler comme ça.
Il parlait tout le temps comme ça, il faisait l'effort vraiment de faire ça. Et puis un jour, tu sais, il parle normal à, au MJ, et puis le MJ, il le regarde et fait, mais je comprends pas l'espagnol. C'est comme s'il avait perdu son accent, alors du coup, il parlait normal en espagnol, quoi. C'était drôle. Mais c'est cool quand tu t'es joueur et tu fais les accents, et que tu fais cet effort-là un peu de, sur les accents, et c'est vraiment trop bien, ça. Ça donne un peu l'immersion sur les, avec les autres joueurs et tout, c'est cool. On est très roleplay. Je vous souhaite une bonne nuit, je vais filer. Ok, bah ciao, petit orphelin, bonne nuit. Fais de beaux rêves. À la prochaine. Moi, de toute façon, je vais faire pareil, hein. Je vais finir mon, enfin, le placement de mon blanc et puis. Même si je sais que vous allez me dire qu'il est dans les Alpes, je sais. C'est bon, quoi. J'aime bien trouver un peu. Et ouais, c'est cool. C'est vraiment très cool d'être loin. Vraiment rigolo. Des moments bien, bien sympas. Je me décale, je fais. Oui, là tu joues sur les mots, oui, Tobix. On peut jouer. Mais j'aime pas trop dire RP, MJ. Enfin, si, MJ, je le dis souvent, mais. Tu sais, les acronymes, genre. MCP, c'est pareil. Je préfère dire Marvel Crisis Protocol pour que tout le monde comprenne. Il avait fait 17, 90 plus relançable à la suite. Ah ouais. Bon, bah, ça s'est fait. C'est bien ça. Non, mais il y a des fois des moments épiques comme ça. C'est pareil, il y a mon copain qui fait le MJ, mais qui jouait à Guild. Il a vu un moment comme. Enfin, tu sais, de. Enfin, pas d'épicness, mais tu sais, l'inverse. En fait, tout le long de la partie, c'était. Bah, c'était que des. Comment s'appelle des GD ratés quoi. C'est que du ratage. Il a fait aucun G qui réussit. Et ça va être long la soirée. J'ai pas fait de verre. On va faire un peu de verre clair là. Enfin, si j'en ai fait un peu, mais pas. En un soir, attends quoi? J'ai fait 17-1 sur un des 20 lors d'une partie de Donjons et Dragons en un soir. Ouais, bah c'est ça quoi. Ah, tu les as comptés, putain. Ouais, bah imagine-toi la même, mais tout le long de la soirée. Aucun j'ai réussi. Mais aucun. Genre, c'était pas forcément des 1 ou chez Guild, c'est comment? C'est comme L5R, je crois. C'est du D20. Et c'est pareil, c'était que des jets de merde, quoi. Il a jamais réussi à faire. À faire une action réussie. Il a. Enfin, c'était drôle. Enfin, après, on en rigole, hein, mais c'est vrai que sur le moment, c'était un peu chiant. Enfin, pas forcément pour nous, c'est surtout pour lui, parce que ça c'est pas très drôle, quoi. Et à un moment, il dit, oh, ça me donne plus envie de jouer. Mais bon, après, on a joué, hein, on a continué nos parties et tout, et après, c'est revenu normal, mais c'est vrai que sur le moment, tu dis. C'est des D10. Ah, c'est des D, je me rappelle plus. Échec critique, c'est pénible. Ouais. Oui, mais c'est ça fait le jeu, tu vois. Ça fait comment ça fait les actions un peu comme ça, quoi. Enfin, tu sais, où tu peux.
un peu épicné, tu vois, ils s'en rappellent parce que ça a été un moment cool, quoi. Tu vois, les échecs critiques ou les réussites critiques, c'est pour ça que c'est bien de les garder, quoi. C'est vrai que c'est pas souvent les joueurs de Dragon, Donjon hein, Dragon. Moi, je suis plus... Enfin, moi, j'ai connu que... comment ça s'appelle Pathfinder. Et donc, du coup, je connais pas trop Donjon des Dragons. Même si je sais que c'est la version 4, quoi. Mais... En plus, alors, je te raconte pas le délire. On s'est perdu. J'ai mis le feu au chariot. J'ai pas vu les voleurs lors du tour de garde. J'ai empoisonné tout le monde. À coup de mandragore, j'ai insulté le dragon d'or que le MJ désespéré nous avait envoyé pour nous sauver. Oh merde. Oh putain, non mais là c'est en fait tu voulais mourir, quoi, en fait. C'est plaisant, mais tu oublies vite la scène. Mais les échecs critiques, tu n'oublies pas, c'est vrai. J'ai pété devant le roi. Putain, mais sérieux, quoi. Le MJ savait plus quoi faire, en effet, à un moment donné. Oui, bah oui. Ouais, là, c'est... tu vas être pendu. Tu vas mourir. Tu vas partout à mourir. Ouais, aussi, vous faites carrément. Mais le pire moment épique à Star Wars D6, un de mes PJ veut jouer à la roulette russe au blaster contre un contrebandier. La bonne idée. Il tire et paf, échec critique. On consulte la table, on jette le dé. Hop, l'arme ne fonctionne pas. Ta-ta-ta. Alors là. Et c'est le drame. Moi, je jouais à un droïde aussi à Star Wars. Et un droïde schizophrène. J'avais deux feuilles de perso. Il tend le flingue au PNJ. Sourire en coin. Bah oui. Il tire. Succès critique. Ah merde. On consulte la table. Si l'arme endommagée, elle refonctionne avec dégâts max. Oh. Ah putain, là c'est plus qu'épicness, ça. Bah ouais. Tu m'étonnes. Vérifier si ton dé avait pas pris un souci trop drôle. Ouais, mais c'est clair. Oh là là. C'est quand même cool ces parties là. Hein. J'avoue.
Ça, on en a eu aussi des moments épiques qui n'étaient pas dans un jeu de rôle, mais dans un jeu de plateau. C'était à Star Wars Assaut sur l'Empire. Pareil, y a des moments qui peuvent être très, très fun sur ce jeu-là. La chance et la malchance, quoi. On voit des trucs des fois. Mais c'est pour ça, moi je dis, les stats, ça n'existe pas. C'est pas possible. Parce que, comment sur 10 milliards de G que tu peux faire dans tout l'univers, enfin des milliards et des milliards, les GD où tu vas réussir, bah ils sont peut-être tout à la fin de l'univers, quoi. Et pas du tout au début. Parce que, si tu veux, c'est récurrent, quoi. Il y a des gens qui ont cette espèce de chatte. Enfin, tu vois, par exemple, quand moi je lance les dés, généralement, je fais du moyen plus, quoi, du 4 plus. Enfin, tu sais, par exemple, à 40K, je fais du 4 plus, etc. Par exemple, je fais toujours des jets assez élevés. Ce qui fait qu'à Fading Suns, qu'on est en train de jouer en ce moment, bah, c'est pas terrible parce qu'il faut faire des petits jets de dés, voire même le mieux, la réussite critique, c'est si tu fais le même résultat que le chiffre de ta compétence. C'est-à-dire si tu as, je sais pas moi, tu as 8 en technologie, si tu fais 8 sur ton dé, tu as réussite critique. Il faut faire des petits jets, il faut faire en dessous ou alors réussite critique le même résultat. Et pareil, c'est. Bah, je suis pas terrible parce que j'ai tendance à faire plus, quoi. Bah, la chance et gna gna, mais le truc le plus démentiel que j'ai vu dans un jet de dés, c'est lors d'un tournoi 40K en V3. Ok. 10 Banshee. Ok. Je vois c'est quoi. L'Exarch. Ok. Je vois qui c'est. Charge un commandeur tau de base. Ok. 36 dés. Plus haut résultat de. Bah, c'est mon copain. Riposte du commandeur, 4 morts. Bah, je suis pas étonnée. Mais mon copain, c'est comme ça. Mais lui, c'est toutes les parties. C'est tout le temps. C'est à chaque fois qu'il joue, c'est ça. Enfin, à chaque fois, c'est pas à chaque fois, mais c'est pas à tous les jets de dés, mais beaucoup de jets de dés, quoi. Vraiment, vraiment énormément, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on dit, bon, les stats, de toute façon, ça n'existe pas. Les stats, tu parles. Et en plus, il joue la Deathwatch et il a tout mis en relance, en stratagème qui fait que machin, truc, bidule, etc. Et ben du coup, ça marche pas, quoi. Pouces pour les Eldar, 8 pour le commandeur et squat Eldar annihilé. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, les gens, j'ai vu, il est 23h36. Je commence à avoir les yeux qui font bloc. Passe en du sharing. Hop, regarde. Il est pas trop bidou. Oh, je suis trop mignon, regardez. Bon, de toute façon, on va le continuer hein, parce que je l'aime trop. Je m'éclate à faire ma petite texture là. Je fais tout bon. Ok. Du coup, demain. Ouais, bah oui, tu m'étonnes qu'il abandonne. C'est pareil, mon copain, c'est vraiment ça. C'est tout le temps. Il fait. Genre, par exemple, il va avoir. Tous les stratagèmes possibles, etc. Les artefs qui vont bien, machin. Et il va avoir, genre, je sais pas moi, un tir, genre 2 plus, relance des 1, genre, tu vois. Puis il va faire que des 1. Et même pour après, tu vois, il va faire des 1, il va les relancer, il va refaire des 1. Enfin, tu vois, c'est que ça tout le temps, quoi. Et il sait pas trop comment faire pour. Contrer ça. Du coup, je lui dis, mais écoute, vraiment que t'as pas de chatte. Si tu veux, tu me trouves un amant, et puis quand t'as une partie 40K à faire, je te trompe, et puis comme ça, tu peux. Ça te permet de jouer correctement, genre, tu vois.
Un truc comme ça. Ou alors, si tu veux pas tomber dans le sordide, tu demandes à ton adversaire si tu peux jouer avec des D12 et puis tu divises par deux. Il me fait, mais de toute façon, même avec ça, j'aurai que des 1, ça changera pas. Des 30 idées, rien qui. Des rien qui fait plus de 2, j'ai jamais vu ça. C'est vrai? Bah écoute, moi dès que je joue avec mon copain, c'est ce qu'il fait tout le temps. Je joue tout le temps. Bah écoute. Non mais c'est drôle, toi, ça fait des trucs épicness comme ça, j'aime bien. Tu sais, on pourrait parler jeux de rôle pendant toute la nuit, ça me dérangerait pas, ça serait pareil, quoi. Mais c'est vrai que je commence à piquer du nez un peu. Du coup, demain, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on finit les. Enfin, on finit, non, on les finit pas, mais on continue les Space Marine. Et ensuite, on fait quoi? Ben, on continuera mon petit drone, enfin, mon petit bidule. Et son bidule. On va faire ça avec lui. Ok. Du coup, je vous dis. Je vous mets l'écran de fin. Je vous dis bonne nuit parce que je vais me coucher. Je pense que je vais chiller un peu sur Insta et sur Pinterest. Et puis je vais m'endormir comme ça. Ou alors peut-être lire Eisenhorn aussi. Il faudrait peut-être. Et puis des bisous. Des bisous. Emericou, Witabix, Théodéric, vous faites. Alors attends, qui y a? Tout le monde dans le chat. Je vous fais des bisous. Le peintre du grenier aussi, des bisous. Mordral. Stream élément, je te fais des bisous. Very naughty wife next door. Des bisous aussi, je pense que tu serais contente d'en avoir. Bon allez. Je vous dis ciao. Et puis des bisous à vos partenaires s'ils dorment. Des bisous, faut toujours en faire. Même s'ils dorment. Et puis à vos petits loulous, si vous en avez. Et puis bah à demain si vous êtes là demain à 21h pareil. On se fait la même. Allez. Ciao ciao, des bisous.